Au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir devant lui pour le louer, pour l'adorer, pour lui offrir un culte qui lui est agréable. Ce matin, pendant les temps d'intercession, l'ancien Élie a donné un sujet de prière. Il a dit: prions pour celui qui sort de sa maison et qui ne sait dans quelle assemblée aller prier. Et j'ai réalisé combien de fois nous avons une grâce, nous qui pouvons nous tenir debout, prendre la route et venir dans une assemblée pour adorer le Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir non seulement une assemblée, d'entendre sa parole, d'avoir des frères et des sœurs avec qui nous partageons notre foi. Alors, je crois qu'il mérite que nous élevons la voix et que nous l'adorons ce matin. Que nous célébrons son nom, que nous bénissons son nom pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir avoir une assemblée où ensemble nous nous tenons main dans la main pour le louer, pour le célébrer, pour glorifier son nom. Élevons la voix et bénissons son nom. Bénissons son nom, bénissons son nom pour cette grâce qu'il nous fait. Bénissons son nom pour cette bonté qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Ce matin, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé. Non, ce n'est pas le réveil. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a réveillé, qui t'a fait sortir de ton lit et qui t'a emmené jusqu'ici pour que tu puisses louer et adorer ton Dieu. Alors nous n'allons pas attendre les instruments, nous n'allons pas attendre que les choristes chantent, mais nous allons élever notre voix, la voix que notre Dieu nous a donnée, et nous allons bénir notre Père ce matin. Nous allons bénir notre Père ce matin. Nous allons le bénir pour qui il est. Nous allons le bénir pour sa miséricorde. Nous allons le bénir pour sa bonté. Nous allons le bénir pour sa grâce dans nos vies. Oh Seigneur, oh Jésus, c'est une grâce de te connaître, c'est une grâce de t'appartenir. C'est un privilège de pouvoir te louer, de te célébrer, de t'adorer. C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir venir dans ta maison avec mes frères et sœurs, avec qui nous partageons la même foi pour pouvoir célébrer ton nom. Oh Jésus, ce matin, je veux m'arrêter pendant un moment et réaliser tes bienfaits dans ma vie. Je veux m'arrêter pendant un moment et réaliser ta main qui s'étend dans ma vie chaque jour. Réaliser tes bontés, réaliser ta faveur qui m'accompagne. Réaliser tes bienfaits qui me couvrent. Réaliser ta présence qui m'entoure de tous côtés. Ta présence qui est en moi par ton Esprit Saint. Et je veux te rendre grâce ce matin. Je veux bénir ton nom ce matin. Je veux lever ton nom ce matin. Je veux te rendre grâce de tout mon cœur. Te rendre grâce de toute ma force. Te rendre grâce de toute mon âme. Je veux t'adorer ce matin. T'adorer de toutes mes forces. T'adorer de tout mon cœur. Car tu es un Dieu bon, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu bon. Merci pour le salut, merci pour le salut. Merci d'avoir racheté chacune de nos vies. Merci Seigneur. Je sais que tu es là, Dieu fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Abba Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Abba Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais.
tu es là. Oui, je sais que tu es là. Saint-Esprit, tu as dit deux ou trois, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Je sais que tu es là. Alors dans ta présence, je suis. Alors dans ta présence, je suis rassuré. Je sais que tu es là. Oui, je sais. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je sais. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Dieu ce matin, bénis-le, adore-le de toutes tes forces, adore-le de tout ton cœur, adore-le de toute ton âme, adore-le de tout ton cœur. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons, Esprit vivant, nous t'adorons, Esprit de Dieu, nous t'adorons, Esprit de force, nous t'adorons, Esprit d'intelligence, nous t'adorons, oh Esprit de sagesse, nous t'adorons, Esprit de sagesse, nous t'adorons. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Oh, nous ne sommes pas restés orphelins. Nous ne sommes pas restés orphelins. Le Saint-Esprit est venu à nous. Le Saint-Esprit est venu à nous. Oh, tu nous as remplis. Tu nous as remplis. Tu es avec nous et tu nous conduis. Tu nous entoures de tous côtés. Tu nous environnes. Nous voulons bénir ton nom ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons élever ton nom ce matin, Esprit de Dieu vivant. Toi, notre force. Toi qui nous conduis dans la vérité. Toi qui nous enseigne. Toi qui transforme nos caractères jour après jour. Toi qui nous modèle à l'image parfaite de Christ. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh, Saint-Esprit, tu es tout pour nous. Saint-Esprit, tu es tout pour nous. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon cœur te bénit. Ce matin, ma vie te bénit. Ce matin, tout mon être entier célèbre ton nom. Tout mon être entier glorifie ton nom. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme élève ton nom. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Je sais, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais, car je sais, je sais que tu es là. Ma vie te bénit. Te bénis ce matin, car tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Ma vie te célèbre ce matin. Ma vie te loue ce matin. Car je sais, car je sais que tu es là. Tu es assis sur ton trône élevé. Et tout dans les
fléchis le genou devant toi. Toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Tu es assis sur ton trône. Sur ton trône élevé. Et tout dans les cieux. Contemplons ce matin. Nous te contemplons, toi notre Dieu, toi qui es saint, 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 toi qui es saint, saint, saint. Oh, ce matin nous te rendons hommage, nous te rendons hommage, toi le Dieu saint, toi le Dieu saint, toi l'Éternel des armées. Oh, riva shakara masaya mama mama. Tu es assis, tu es assis sur ton trône de gloire, Seigneur, et tu règnes en majesté, tu règnes en force, tu règnes en puissance, tu règnes en gloire. Élevons-le, nous t'élevons ce matin, oh Dieu saint. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Oh, tu es assis sur ton trône très élevé. Et les pans de ta robe remplissent le temple. Les séraphins se tiennent au-dessus de toi. Oh Seigneur, oui, Esaïe pouvait dire, il y avait chacun six ailes, dont deux, ils se couvraient la face. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait la face, et deux dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire, toute la terre est pleine de sa gloire, toute la terre est pleine de sa gloire. Oh, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et nous confessons que cette nation est pleine de la gloire de Jésus. Nous proclamons que cette nation est pleine de sa gloire. Cette nation est pleine de ta gloire, Seigneur. Cette nation est remplie de ta gloire. Cette nation est remplie de la gloire de Jésus. Cette nation est remplie de ta gloire. Oh, nous déclarons cela. Nous déclarons cela. La terre entière est revêtue de ta volonté. La terre entière revêtue de tes lois. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Éternel. Éternel des armées. Tu es saint. Tu es saint. Avec tes propres mots, adore-le. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. Il est saint, il est saint. Notre Dieu est saint, notre Dieu est saint, notre Dieu est assis sur son trône élevé, et il est saint, il est saint, il est saint. Adorons-toi l'Éternel des armées.
Nous t'adorons, toi l'Éternel des armées. Nous t'adorons, toi le puissant guerrier. Nous t'adorons, toi le puissant guerrier. Nous t'adorons, toi le Dieu victorieux. Nous t'adorons, toi le Dieu victorieux. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous t'adorons, puissant guerrier. Oh Dieu puissant, à toi la gloire, à toi la force, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la force, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la gloire. Oh, ne te tais pas devant sa face, ne te tais pas devant sa face, ne te tais pas devant sa face. Oh, nous joignons nos voix anges ce matin, nous joignons nos voix anges ce matin, et nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons, nous disons que tu es saint, nous disons que tu es saint. Nous disons que tu es grand, que tu es puissant, que tu es puissant, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout. Tu règnes en force, tu règnes en majesté, tu règnes en puissance, tu règnes en puissance, tu règnes en puissance. De tout notre cœur, de toute notre âme.
Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Oh, nous acclamons. Arriva Sakara Masaya, arriva son Sobaba. Continuons à l'acclamer. Jésus. Il est le Dieu de nos vies. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il mérite la louange et l'adoration. Il mérite des acclamations de ses rachetés. Oh, nous acclamons, nous acclamons. Oh, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom le plus élevé. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus élevé. Hey, hey, nous acclamons, nous acclamons. Oh, le roi de rois. Nous acclamons. Hey. Alléluia. Oh, nous acclamons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous avons des cœurs remplis de reconnaissance. Et nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Et nous t'acclamons, nous t'acclamons. Et... Alléluia. 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 Alors élève la voix et continue à l'adorer. Élève la voix. Et continue à l'adorer. Adore-le maintenant avec tes propres mots. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Parle à ton Père de tout ton cœur. Célèbre-le. Reba sakayende reba, oh, Seigneur, nous acclamons Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Oh, nous acclamons Jésus. À lui soit l'honneur. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui, à lui, à lui, à lui soit l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, la force. À lui seul soit l'honneur. À lui seul, Seigneur. À lui seul. Merci, Seigneur. Pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Sois béni, sois exalté, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia.
Est-ce que le frère Serge et Charlotte sont là? Voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Venez, venez vers là. Voilà. Le frère et la sœur, Serge et Charlotte, ont dimanche passé régularisé leur situation maritale devant le Seigneur. Et nous vous les présentons, et en même temps que cela serve d'instruction, parce que lui s'est baptisé il y a 2 ans à peu près. Voilà. Et ils étaient dans une situation irrégulière, mais par la grâce de Dieu, ils ont pu régulariser cela. C'est pour nous dire que les situations dans nos vies ne sont pas définitives, mais il faut de l'engagement pour en sortir. Et Dieu nous donne toujours une deuxième, une troisième chance. Amen. Voilà, donc dimanche passé, nous étions chez eux avec les anciens, et nous avons procédé à la bénédiction de leur union. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour eux. Voilà. Nous vous les présentons afin que vous sachiez qu'il n'y a plus rien qui puisse les retenir à aller de l'avant et à faire tout ce que Dieu met dans leurs mains, et à être une famille bénie et approuvée devant le Seigneur. Voilà. Dimanche passé, j'avais omis d'apporter la Bible, alors je vous remets la Bible, au nom de toute l'Église, au nom des anciens, de tout le conseil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous pouvez reprendre vos places. Voilà. Donc, s'il se trouve quelqu'un qui soit dans cette situation, qui se demande comment ça se passe, c'est pas difficile. Nous sommes pas là pour bloquer les gens, nous sommes là pour les pousser dans la lumière. Amen. Donc, venez et nous verrons comment faire. Amen. Je vais appeler aussi un autre frère et une autre sœur. Le frère, je t'aime. C'est pas moi qui l'aime, mais c'est son nom comme ça. Viens. Avec la sœur Francisca. Voilà, montez. Avec la sœur Francisca. Voilà. Eux aussi, ils ont une histoire à raconter. Voilà, leur histoire, c'est qu'ils se sont retrouvés pendant un temps dans une situation compromettante, mais ils ont décidé de se séparer. Vous savez, quand vous venez et que vous nous dites, voilà, je vis avec tel, je vis avec tel, la première condition de la repentance, c'est d'abord de faire quoi? Faire demi-tour. On ne peut pas vous dire, restez ensemble et puis on va venir vous bénir dedans. Ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours faire demi-tour, c'est-à-dire marquer une distance, séparer les choses et demander à Dieu de vous conduire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont soumis à cela. Il y avait des défis financiers, il y avait des défis vraiment de tout genre, mais le Seigneur les a aidés. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et voilà, depuis 2017... Voilà, depuis 2017, ils ont chacun pris son appartement et ils ont vécu ainsi dans la pureté. Et bientôt, ils ont fait le mariage, la dot au pays, ainsi que le mariage coutumier aussi. Voilà. Et ils vont faire le mariage civil le 8 mars. Voilà. Voilà. Et donc... Il y aura
la bénédiction après le 8 mars. On vous donnera de plus en détail plus tard. Voilà, nous vous les présentons afin que vous sachiez que vous priez pour eux, que vous les accompagnez et que aussi cela serve d'exemple et de modèle à tous ceux qui sont en train de se demander comment faire. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Il nous donne une nouvelle, une deuxième et il bénit. Il bénit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Voilà, que vous prenez place. Voilà, tout est possible. Dis à ton voisin, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. » Car tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Voici le thème de notre partage ce matin. Tout est possible à Dieu. C'est ici là l'histoire d'un jeune homme qui accourt à Jésus, qui se jette à genoux devant lui et qui lui dit, qui lui demande ce qu'il doit faire pour entrer dans la vie. Et depuis plusieurs semaines, le Seigneur nous parle que tout est prêt et que nous devons entrer dans le royaume. Voici un homme qui a certainement entendu parler du royaume, qui a certainement entendu parler de la vie éternelle et qui vient demander à Jésus de l'instruire. Et Jésus le regarde et lui dit, « Mais tu connais les commandements, tu n'as qu'à les appliquer. » Il dit, « J'ai déjà tout fait. » Jésus dit, ah bon, mais c'est bien. Il l'a regardé et il l'a aimé. Il a eu de l'affection pour cet homme parce qu'il savait qu'il disait la vérité. Mais il lui dit, il te manque une chose. Et cette chose-là était la montagne, la difficulté et l'impossibilité devant cet homme. Tout le reste était possible à lui. Mais cette chose était une montagne insurmontable pour lui. Et ainsi nous faisons face les uns comme les autres à plusieurs challenges qui peuvent être différents. Pour l'un,
La chose la plus insurmontable qui soit, c'est de ne pas mentir. Ça, c'est difficile pour lui. Alors que pour l'autre, ça, c'est une banalité. Pour l'autre, la chose la plus insurmontable et difficile, c'est de pardonner. Alors que pour l'autre, c'est une banalité. Il y a quelque chose dans ta vie qui semble être une montagne, qui se dresse devant toi. Pour les uns, ça peut être les choses les plus banales. Non, ne plus mentir, ne plus... Pour d'autres, ça peut être dans d'autres domaines un peu plus subtils. Mais quoi qu'il en soit, il y a un commandement, un ordre de Dieu qui devient difficile à tes yeux. Mais Jésus dit quelque chose qui bouleverse et qui donne de l'espoir. Il dit, cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Quand Dieu te parle de quelque chose et que tu dis, mais ça, c'est pas possible. Comment je vais faire une chose pareille? Dieu a donné un ordre à Marie, il lui a dit, tu seras enceinte. Elle dit, mais comment ça va se passer? Et l'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la chose que Dieu exige de toi, mon ami, mon frère, Dieu m'a envoyé te dire que la mentalité qu'il veut que tu aies, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Qu'importe la chose qui se dresse devant toi, Dieu te dit, c'est possible. C'est pas possible à toi, mais c'est possible à lui. Et si tu tournes vers lui les regards, tu seras comme un rayonnant de joie. Et ton visage ne se couvrira pas de honte. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible d'accomplir cet appel. C'est possible de vivre la vie de Dieu. C'est possible de ressusciter des morts. C'est possible d'être un évangéliste. C'est possible d'être ce témoin. C'est possible d'être cette femme de vertu. C'est possible de pardonner. C'est possible d'être un consolateur. C'est possible. C'est possible. C'est absolument possible. C'est absolument possible. C'est possible de vaincre ces choses de la chair qui semblent pour toi des montagnes. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je viens contre ton incrédulité et j'insiste. Je dis, c'est possible. Parce que c'est écrit. Dieu a dit, c'est possible. Tout est possible. Dans le tout, il y a tout. Dans le tout, il y a tout. Tout ce que Dieu exige de toi, c'est possible. Tout ce qu'il demande de toi, c'est possible. Tout ce qu'il veut de toi, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est absolument possible. Sois simplement sûr que c'est lui qui te demande quelque chose. Tant que c'est lui qui te demande cela, il dit, c'est possible. Je ne donne pas un ordre sans venir au secours. Non, c'est possible. C'est possible. Cet homme était un homme extraordinaire. Parce que la loi, plusieurs n'ont pas réussi à la mettre en pratique. Mais lui, il avait réussi. Je ne sais pas comment il a fait. Il dit, dès ma jeunesse, c'est tellement qu'il a été éduqué dans de bonnes valeurs. Mais il y avait une chose qui retenait son cœur, qui s'appelle la cupidité. Et ça, Allah, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et il se demandait, comment ça sera possible pour moi de ne plus aimer mon argent? Quand je regarde mon argent, je me dis, voilà... La sûreté est à l'intérieur. Je me sens en sécurité à l'intérieur. Maintenant, Jésus dit de prendre mon argent, d'aller mettre au ciel. Je ne sais même pas où est-ce. La banque du ciel, là, c'est où? Et de venir de le suivre. Mais la réaction de ce jeune homme, nous devons l'observer attentivement. Il était comment?
verset 22. Il était comment? Il était comment? Lisez dans votre Bible, verset 22. Il était comment? Affligé. Affligé. Notre génération-ci aime les paroles qui nous chatouillent. Les paroles qui nous font gli-gli. Quand tu dis à quelqu'un une parole, qu'il dit que c'est Dieu. Oh non, 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 ça c'est pas Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne peut pas me dire quelque chose qui va m'attrister. Non. Dieu est joie. Dieu est paix. Dieu, tout ce qu'il dit là, ça me donne vraiment le repos. Ça ne me confronte pas. Affligé. Il y a des paroles que Dieu t'adresse qui t'affligent, qui te secouent à l'intérieur. Il y a des paroles que Dieu t'adresse qui t'affligent, mon ami. Si Dieu t'a déjà donné une parole qui t'a affligé, je veux te dire, calme-toi. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'il ne te laisse pas seul. Non. Il ne te laisse pas seul. Il ne te laisse pas seul. Mais il te donne une parole et il reste là et puis il t'observe. Il veut voir ta réaction. Certains, quand ils entendent une parole qu'ils trouvent dure, disent dimanche prochain, je ne viens pas. Je ne viens pas au culte. Comme ça, quand le pasteur ne va pas me voir là, il va fabriquer un message qui va me faire plaisir. Comme ça, il revient. Mon ami, je ne suis pas ton serviteur. Non, je te sers parce que Dieu m'a envoyé te servir. C'est en ça que je suis ton serviteur. Mais je ne suis pas envoyé pour dire tes paroles. Tu peux te les dire toi-même. Dans ton lit, tu te lèves, tu dis, voilà l'homme le plus béni, le plus heureux. Vraiment, tu es bon. Non, toi, il n'y a même pas d'eux. Tu peux te prêcher toi-même comme ça. Dans la, sur la terre, là même, là. Non, même si Dieu cherche là, il ne peut pas trouver quelqu'un comme toi. Non, sois tranquille, mon âme. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu es correct. Oui, puisque si tu veux ce genre de prédication, toi-même, tu as une bouche, non? Prêche. Mais pour ma part, je suis envoyé par le Tout-Puissant pour te dire des paroles de vérité, des paroles qu'il m'adresse à moi-même aussi. Ce n'est pas à toi seulement, il me les adresse. Et quand je fais face à un commandement qui me semble difficile, il me dit, ce n'est pas impossible. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas atteindre par le découragement. Il y a certaines paroles de Dieu qui affligent. Et cet homme, il était découragé parce qu'il pensait que vraiment... Non, quand il va venir à Jésus, Jésus même va dire que, mon ami, tu es déjà dans le royaume même. Toi-même, là, ta place est garantie. Mais il était comment? Affligé. Et il s'en alla tout triste, découragé. Il y a certains découragements qui viennent dans ta vie, qui viennent du diable. Il y a d'autres découragements aussi qui viennent de la montagne. Que tu vois selon, sur la parole de Dieu, tu trouves que, ouh, comment je vais faire ça? Ça là? Non, 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 non. N'est-ce pas? Ne te décourage pas. Dis à ton frère, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ne sois pas affligé à ce point. Non. S'il était resté, parce qu'il est venu, il s'est jeté aux pieds de Jésus, à genoux, c'était bien. Il était dans une bonne attitude. Pourquoi il n'est pas resté à genoux à dire que, oh, il faut m'aider parce que vraiment, l'argent là est collé sur mon cœur. Pour m'en détacher, mon fou, c'est une chirurgie trop dure. Vous pensez que Dieu n'a pas besoin d'entendre ça? Si. Il a besoin que nous soyons sincères devant lui. Il a besoin que nous puissions lui dire, Seigneur, ici là, vrai, vrai, moi-même j'aime le péché là. On a cassé. Moi-même là, quand je fais ça, je me sens comme. C'est comme si c'est, ça me plaît. Mais je sais que ça ne te plaît pas. Alors mets la haine de cette chose au fond de mon cœur. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette sincérité et cette vérité, tu vas être découragé. Puisque tu t'appuies sur toi-même.
Tu t'appuies sur tes forces. Comment je vais faire ça? Bon, tous les autres commandements là, j'ai réussi à faire ça tout seul. Maintenant là, comment je vais faire? Non. C'est possible. Avec Dieu. Avec toi. C'est impossible. Ça, c'est certain que c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Regarde le commandement de Dieu. Dis, Dieu, oh, tu m'appelles à faire ça. Ah, c'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Viens au secours de ma faiblesse. Viens au secours de mon incapacité. Regarde l'état de mon cœur. Change ça. Toi qui peux transformer un cœur dur en un cœur de chair, fais ça à moi. Et tu ne t'arrêtes pas tant qu'il ne t'a pas exaucé. Comme un enfant qui est derrière son papa, en train de demander quelque chose. Tant que le papa n'a pas exaucé, est-ce qu'il part? Non. Toi, tu pries une fois. Et puis tu quittes. Il n'y a pas d'exaucement, tu quittes. Combien de fois Jésus a prié? Il a prié à Gethsémané 3 fois. Il est allé prier 3 fois. 3 fois. C'est comme si c'était 3 heures. Parce qu'à chaque fois qu'il part, il revient, il vient trouver les disciples en train de ronfler. Il dit que même une heure, là, une portion d'une heure, vous n'avez pas réussi à veiller avec moi. 3 fois. Et finalement, le Père l'a fortifié. Paul a fait la même chose. Il a prié. Seigneur, éloigne de moi cette écharpe-là. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, ma grâce te suffit. Tu vas aller avec ça parce que moi, il ne veut pas enlever ça. C'est possible. Absolument possible. Où Dieu veut te mener, où Dieu veut nous mener, c'est possible. C'est possible. Mais il a besoin de ta contribution. Ça ne se passe pas tout seul comme ça, assis à la maison. Ok, c'est possible. Non. Il ne faut pas retourner. Quelles sont les paroles spécifiques que Dieu t'a données et dans lesquelles tu devant lesquelles tu regardes, tu te dis, mais ça c'est une montagne, hein? Comment je vais faire? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu vives une vie pure. C'est possible que la chair n'ait plus d'emprise sur toi. C'est possible que tu sois libéré de ce fardeau. C'est possible que tu vives dans la fermeté de la foi. C'est possible. C'est possible de ne plus être méchant, jaloux, rancunier. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce qu'en fait, dans ce challenge, se décourager, ce serait grave, n'est-ce pas? Parce que ce gars, il est parti. Est-ce que s'il revient à Jésus, Jésus va lui dire une autre chose? Et s'il part, il fait 5 ans, et il revient encore pour dire, bon maître, que dois-je faire? Est-ce que Jésus va dire encore autre chose? Souvent, c'est ça avec Dieu. Ça dit que Dieu nous dit une parole, on n'a pas envie. Oui ou non? On part se promener. On fait d'autres choses. 3 ans plus tard, on revient. Est-ce que Dieu va dire autre chose? Est-ce que ça ne fait pas 5 ans que Dieu t'a dit une parole et puis tu es toujours assis dessus, tu n'as même pas encore commencé? Je parle à quelqu'un. Si c'est la porte, si la porte c'est cette porte, tant que tu n'es pas rentré par là, est-ce que tu vas rentrer dans la maison? Est-ce qu'il y a 2 portes?
Vous savez, à l'école de Dieu, il n'y a pas de redoublement, ni de moyenne générale. Chaque module, tu dois passer. Si tu n'as pas passé cette année, l'année prochaine, il va ramener ça. Si tu n'as pas passé l'année prochaine, il va ramener ça l'année sur prochaine. Si tu n'as pas passé l'année sur prochaine, il va ramener, dans 4 ans, il va ramener. Il va ramener ça, comme ça et comme ça, jusqu'à la fin de tes jours. Jésus a aimé ce jeune homme, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça a fait que Jésus a changé sa parole? Jésus n'a pas changé sa parole. Hein. Il est doux et il est ferme. Ça, c'est Jésus. Il est doux et il est ferme. Ce qu'il dit là, tu ne peux pas l'amadouer pour qu'il change ce qu'il dit. Ce n'est pas un papa gâteau. Non. Et je sais que plusieurs ici sont en train de penser à ce que Dieu leur a dit il y a plusieurs années. Dieu est toujours assis là-bas, il t'attend. Mais je veux te dire que tant qu'il y a le souffle de vie dans tes narines, ce n'est pas fini pour toi. Tant qu'il y a le souffle de vie dans tes narines, tu peux te rattraper, tu peux recommencer, tu peux t'appuyer sur le Seigneur de toutes tes forces et entrer dans ce royaume. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. On ne peut pas entrer dans le royaume avec des bagages parce que la porte là est resserrée. Donc même la taille là, même Dieu observe la taille. On peut pas rentrer avec des bagages, avec les bagages de la rancune et de l'amertume ici. On rentre, quand tu arrives, la porte dit faut d'abord que tu laisses tes trucs là dehors avant de pouvoir entrer. Dieu nous parle sérieusement parce qu'il nous aime. Il faut que nous sachions que ce n'est pas au-delà de notre portée. Dès que, à partir du moment où tu dis, ça me dépasse, c'est fini. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Quelles sont les clés que Dieu nous donne pour triompher? Les clés que Dieu nous donne pour triompher. La première clé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer sans le Saint-Esprit, c'est voué à l'échec. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut rien faire. Il faut faire quelque chose avec le Saint-Esprit. Que ce soit pour vaincre le péché, c'est avec le Saint-Esprit. Que ce soit pour accomplir les œuvres de Dieu, c'est avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, cela est voué à l'échec. C'est pour cela que tu dois rechercher à connaître le Saint-Esprit, à discerner sa présence avec toi. Il est tellement tendre et doux. Il est toujours avec toi. Il te dit, ne fais pas ça. Il te dit, arrête. Il te dit, bon, c'est bon maintenant. Arrête de parler. Et toi, tu connais. Il dit, ça va déborder. Stop. Quelqu'un a déjà entendu le Saint-Esprit lui dire ça? Dites-moi, vous avez déjà entendu? Il dit stop. Qu'est-ce qu'on doit faire? Stop. Avec lui, il n'y a pas d'échec possible. Pas possible. Nous sommes en train d'étudier un livre dans notre pastorale privée.
avec Pasteur Laure. Et il y a une phrase qui m'a touchée. Il dit, avec le Saint-Esprit, il est venu pour qu'il n'y ait qu'une seule issue, la victoire. Une seule issue, le triomphe. Une seule issue, le triomphe. Personne ne peut coopérer avec le Saint-Esprit et échouer. Personne ne peut le faire. Personne ne peut coopérer avec le Saint-Esprit et se retrouver à la fin sans ce qu'il a dit qu'il fera. Il est ton plus précieux allié, la personne que tu dois respecter le plus, la personne la plus importante qui se tienne à tes côtés. Il est plus important que ton mari, ta femme. Il est plus important que ton père et ta mère. Il est plus important que tes amis. Il est plus important que le pasteur. Il est plus important que qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit. Et tu dois honorer sa présence. Il est le plus important. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il se tient à tes côtés. Et chaque jour, il te parle. Il te dit quelque chose. Le Saint-Esprit. J'aime raconter comment j'ai fait toutes sortes d'efforts pour me lever tôt. Tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai fait. Ça ne marche pas. Je mets mon réveil à 10 minutes d'intervalle. Ça sonne, je boum, boum. Quand ça sonne là, je fais boum, boum seulement. Un jour, je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, ce désir vient de Dieu. Mais quel moyen j'emploie? Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'utiliser un réveil. Je vous partage juste mon expérience. Après un moment, j'ai dit, bon, je veux faire quelque chose. Saint-Esprit, réveille-moi. Je vous dis, notre Saint-Esprit est précieux. Tu dis 4 heures, hein? C'est à 3h50 que tes yeux font gling. Tu regardes la montre comme ça, il est 3h50. Et te dis, bon, c'est maintenant le temps de te lever et d'aller te laver ou d'aller te débarbouiller pour ne plus être en sommeil. Parfois j'écoute pas. Je ne veux pas vous mentir. Mais à un moment, j'ai dit, ok, tu me réveilles, mais ce n'est pas toujours que j'ai la force de me lever. Donc, non seulement réveille-moi, mais mets la force dans tout mon être. Que le sommeil fuit de mes yeux. Je vous dis, c'est comme si j'ai pris un bain. Mes yeux, j'ai dit, mais... Parfois, je me dis, mais pourquoi tu n'anticipes pas tout et puis tu fais tout en même temps sans que je te le dise. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu m'as dit de te réveiller, je te réveille. Si tu me dis de te faire être réveillé, je te fais être réveillé. Ah oui, il ne fait pas des personnes gâteaux où il fait tout à ta place. Non, non, non. Il veut une coopération. Le Saint-Esprit. Aimez-le, mes amis. Aimez-le. Vous sentez en vous quand il est triste. Alors ne l'attristez pas. Ne l'éteignez pas. Ne blaguez pas avec son nom. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils traitent le Saint-Esprit, mais vraiment, ça me fait mal. S'il est ton Seigneur qui va faire que tu vas arriver à la victoire, tu dois le traiter avec respect. Est-ce qu'on traite son entraîneur physique ici avec négligence et puis ça va aller? Le Saint-Esprit. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle a plusieurs vertus. Tu sais, quand tu te sens embrouillé, tellement embrouillé que tes idées sont... Tu sais même, tu es déstabilisé. Je veux te donner un petit secret que je pratique souvent. Prends ta Bible, assis-toi, commence à lire. Au bout d'une heure, toutes tes embrouilles là, je ne sais pas où elles partent. Ce qui est sûr, elles disparaissent. Ta tête devient limpide et claire. Oui ou non? La parole. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'en éloigne pas. La troisième clé, c'est la prière. La prière.
la prière. Avec le Saint-Esprit, tu as appris à te débarrasser. Il y a des personnes à qui Dieu dit, je ne veux plus que ta bouche calomnie. C'est le commandement qu'il t'a donné. C'est juste ça. Mais c'est ce commandement-là qui te fera entrer dans le royaume ou pas. Eh bien, mais tu as des amies calomniatrices là. Quand elle vient s'asseoir là, ouh, que tu le veuilles ou pas, ça sort. Oui ou non? Qu'est-ce que tu dois faire avec ces amis-là? Hein? Tu dois faire quoi? Couper. Couper. Ne sois pas... Les gens aiment... Ne sois pas mou. Couper, c'est couper. J'aime raconter comment, quand j'étais en fac de médecine, j'avais une amie. Elle était aussi en fac de médecine. Moi, j'étais en dentaire, elle était en général. Mais comme on faisait tronc commun, chaque jour, on devait aller à l'école ensemble. Mais cette fille, dès qu'on commence à marcher, parce que c'est pas loin, elle va insulter toute personne qui passe. Même si la personne ne lui a rien fait, elle va l'insulter. Regarde-moi sa tête là. Regarde ses pieds là. Regarde ceci. Ah! Je dis, mais maman, je l'ai déjà interpellé 2-3 fois. Je dis, tu n'as pas besoin d'insulter tout le monde comme ça sur la route. Ah! Plus tu l'interpelles, plus c'est comme si là même le feu, oh, ça augmente. J'ai dit, bon. Et mais quand je rentre pour prier, le Seigneur me dit, j'aime pas ça. Tout le temps, j'aime pas ça. J'ai dit, mais comment je vais faire? J'étais obligée de feindre de dormir. Quand elle vient à l'heure pour qu'on parte, je fais semblant de dormir. Et elle part. 5 minutes après, je prends ma route aussi. Vous voyez? Et elle a fini par comprendre. Je lui ai dit que je ne peux pas. Toi, tu insultes tout le monde. Moi, ça ne marche pas avec l'homme. Quand elle arrive à la fac, même là, même c'est la catastrophe. Un pays qui t'a accueilli. Des professeurs qui sont en train de t'instruire. Toi, tu ne trouves rien d'autre que d'insulter toute la population de ce pays. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, mais c'est parce que tu ne les connais pas. Je dis, je n'ai pas besoin de les connaître. Ils t'ont rien fait. Le gars est en train de passer sa route. Vous connaissez des gens comme ça, non? On les a déjà formatés avant même qu'ils viennent dans le pays. Moi, parfois, je demande, mais pourquoi même tu es là? Elle me dit, non, 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 dès que je finis, le lendemain, je fais mes bagages, je pars. Il dit, faut partir maintenant. Mais des gens comme ça, tu dois couper. Couper, c'est couper. Tu ne peux pas dire que non, c'est quand même ma vieille amie. Tu vas faire quoi avec elle? Quelle est la relation la plus importante? Le Saint-Esprit ou elle? Je vous ai dit, le Saint-Esprit est plus important que ton mari, ta femme. Plus important que ton père et ta mère. C'est la personne la plus importante de l'univers. C'est la personne qui doit être la plus importante à tes yeux. Alors avec le Saint-Esprit, il va te conduire à veiller. Il va mettre sa lampe et il va regarder tous les éléments qui autour de toi te distraient. Je connais une sœur qui a vendu sa télé. Parce que sa télé était le moyen par lequel l'ennemi la distrayait. Elle a pris sa télé et elle l'a vendue. Elle est restée comme ça sans télé. Pourquoi? Pour obéir. Mais si tu ne veux pas faire ça, comment ça va se passer? Le Saint-Esprit, la parole et la prière. La prière et les supplications. Il faut aller à Dieu avec un cœur honnête. Exposer ta vie devant lui. Exposer tes difficultés devant lui. Dis ça, c'est une montagne à mes yeux. Mais cela n'est pas impossible avec toi.
Alors je te dis, toi montagne qui se dresse devant moi, tu t'ôtes devant moi et tu te jettes dans la mer. Je déclare que tu ne vas pas m'empêcher d'entrer dans le royaume. Je déclare que tu ne vas pas m'empêcher d'entrer dans le royaume. Toi, richesse, pour cet homme, c'était la richesse. Mais pour d'autres, ça peut être beaucoup d'autres choses. Tu ne m'empêcheras pas. Je refuse que tu m'empêches d'entrer dans le royaume. Va être violent avec toi-même. Violent avec cette chose. Et plus tu t'abandonnes à l'esprit, plus il t'en libère. Un jour, tu te lèves et tu vois que cette chose n'a plus aucune emprise sur ta vie. Tu en es totalement libéré. Parce que quoi? Tout est possible à Dieu. Ce qui t'était impossible est devenu possible à Dieu. Tu vois que ta bouche est sanctifiée. Tu vois que ton être entier est sanctifié parce que tout est possible à Dieu. Alléluia. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Tu dois croire en la toute-puissance de Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé pour t'envoyer dans l'enfer. Non, il t'a sauvé, il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu entres dans le royaume. Il faut savoir que ça, c'est la pensée et la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est que nous entrions dans le royaume. Et ça, parce que tout lui est possible. Et si tu emploies ces trois clés que je t'ai données, le Saint-Esprit, la parole, la prière, il y a d'autres clés. Il y a le sang de Jésus, qui est une clé importante aussi. Il y a la confession de foi, qui est une clé importante aussi. Et ces clés-là, elles sont là pour que rien ne te soit impossible. Si le sang n'a pas... Si quelque chose... L'ennemi veut quelque chose contre toi, le sang est puissant. Quand tu te lèves et que tu déclares, voici Dieu a fait de moi ceci ou cela, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Quelle que soit la difficulté qui est devant toi, Dieu a-t-il mis quelque chose devant toi et il te semble impossible? Tout est possible. Tout et absolument tout est possible à Dieu. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou de ce que nous pensons. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit nos actions de grâce. À lui seul soit nos vies. Dieu est capable de t'emmener là où tu ne peux pas aller par toi-même. Là, j'aime ce chant qui dit que il rend mes pieds semblable à celle des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Pendant le séminaire de SF Pro, ils ont fait... Bon, je n'ai pas tout assisté, mais le premier soir, le pasteur a parlé de la biche qui soupire après le courant d'eau. C'est ainsi que Dieu fait. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il te fait marcher sur tes lieux élevés. La Bible me dit aussi que c'est Dieu qui exerce nos mains au combat et nos bras à la bataille. C'est lui qui te fait te tenir devant cette montagne et dire, hey, tu ne vas pas m'empêcher. Si c'est la cupidité comme ce jeune homme, non, cupidité, tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans le royaume. Idolâtrie, tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans le royaume. Impudicité, tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans le royaume. Fornication, tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans le royaume. Calomnie, je te dégage de ma vie au nom de Christ Jésus. Tu ne vas pas m'empêcher d'entrer dans le royaume. Quelles que soient les racines de ces choses, je te déracine. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un dit à ce sycomore, arrache-toi de là et va te jeter dans la mer, cela se fera. Je déclare que tu ne peux pas rester dans ma vie. Je te déracine totalement. Et vous allez voir comment Dieu va vous porter dans toutes ces impôts. Vous devenez un témoignage pour dire à quelqu'un, oh ça là, ça c'est pas difficile, Dieu a fait ça dans ma vie. Il peut aussi le faire dans ta vie. Sois déterminé, sois violent. Sois déterminé, sois violent. Sois déterminé, sois violent. Ne laisse pas quelque chose te regarder là où tu étais l'année dernière. Jamais. 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 Sois déterminé et violent. Et le Seigneur viendra toujours à ton secours. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Commence d'abord par reconnaître que Jésus a tout fait pour que tu entres dans la liberté. Dis, il a tout fait. Jésus, tu as tout fait.
Tu as tout fait pour que j'entre dans la liberté. Tout est possible à toi. Tu as tout fait, Seigneur. Tu as tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Oh oui, tu as tout fait. Dis-lui, tu as tout fait parce qu'il est là. Tu as tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Alléluia, le roi des rois. Ah, tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Le roi des rois. Oh, tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Le roi des rois. Oh oui, tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Alléluia, Jésus, tu as tout fait. Le roi des rois. Alléluia, tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Alléluia, Jésus, tu as tout fait. Le roi des rois. Oh, tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Jésus, tu as tout fait. Le roi des rois. Oh oui, tu as tout fait. Tout est possible dans ma vie. Tu as tout fait. Alléluia. Jésus, tu as tout fait. Oh, le roi des rois. Oh oui, tu as tout fait. Tu as tout fait. Rabba Santa Yondobo Shekere. Jésus, tu as tout fait. Le roi des rois. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Alléluia. Jésus, tu as tout fait. Le roi des rois, tu as tout fait. Commence maintenant à déclarer que c'est possible. Dis, Seigneur, c'est possible pour toi de me conduire dans cette dimension. C'est possible pour toi. Sois précis avec Dieu. Sois précis avec Dieu. Tu sais là où Dieu te demande quelque chose. Dis, Seigneur, cela m'est difficile, mais c'est possible pour toi de me conduire là, là sur le rocher que je ne puis atteindre par mes forces. Tu peux me conduire là dans l'obéissance que je ne peux atteindre par mes forces. Tu peux me conduire dans la sainteté que je ne peux atteindre par mes forces. Tu peux me conduire dans l'humilité que je ne peux atteindre par mes forces. Tu peux me conduire dans la joie que je ne peux atteindre par mes forces. Tu peux me conduire dans l'adoration que je ne peux atteindre par mes forces. Tu peux me conduire, Seigneur. Tu peux me conduire. Tu peux me conduire. Tu peux me conduire. Tu peux me conduire. Matahanda yekereba santa. Tu es puissant pour me mener. Tu es puissant. Rakaba santa yondo bo shenderebe. Rikaba santa yondo bo santa yindara bahanda. Yondo robo shendere bahanda.
Ikaraba sante yondorobo sante inda mita handa yokorobo shendereba riba baba baba handa yondobo sante. Tu es puissant pour me mener dans la victoire. Tu es puissant, Seigneur. Oh, mata handa yokorobo shendereba yokorobo sante riba handa. Demande au Seigneur maintenant de te rendre violent pour entrer et t'emparer du royaume. Qu'il fasse de toi un héritier violent. Qu'il fasse de toi un fils, une fille violente. Qui s'empare des choses du royaume. Demande cela au Seigneur maintenant. Fais de moi une personne violente. Violente pour m'emparer du royaume. Pour m'emparer des choses, de tes promesses. Pour m'emparer de tes promesses. Pour m'emparer de tes promesses. Fais de moi, Seigneur, cette personne. Cette personne violente qui s'empare des choses que tu as prévues pour moi, Seigneur. Oh, qui s'empare du royaume, qui ne reste pas à l'écart. Fais de moi une personne violente qui s'empare du royaume maintenant. Au nom de Jésus. Matahanda yekerebahanda. Minderaba hondo bo santa yende. Mitahanda raba hondo bo shendere baba. Ribabahanda yikaraba santa. Yinda basondo bo shendere bebe. Rekabahanda yinda basondo. Mitahanda yokorobo shendere bebe. Matahanda yinda. Shumampara duwan. Rikaba santa. Robo santa yinda. Fere one person violent. Fere one person violent. Fere one person violent meta. Au nom puissant de Jésus. Rokobo Shendere. Rokobo Santa. Indaraba. Maintenant, commence à rejeter. Rejette les choses que tu sais que tu dois rejeter. La méchanceté, la malice. Rejette ces choses. Rejette ces choses. Rejette ces choses. Dis, tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans le royaume. Je m'oppose à toi maintenant. Et telle chose, tu le cites selon ce que tu sais. Et tu déclares, je te dis que tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans le royaume. J'entre dans le royaume. Je franchis des barrières. J'entre dans le royaume. Je franchis des barrières. Je franchis des barrières. Par la toute puissance de Dieu, par la toute puissance de Dieu, je franchis les barrières. Maintenant, tu vas dire au Saint-Esprit, conduis-moi dans les victoires divines. Conduis-moi dans le royaume. Conduis-moi chaque jour dans les victoires divines. Prie maintenant, demande au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis que tu es la personne la plus importante dans ma vie. Tu es mon paraclétos. Tu es mon bon berger. Tu es mon abri. Tu es ma force. Tu es mon refuge. Tu es mon Dieu. Mandaraba Santa Yondo. Rikaba Santa Yindaraba Hondo Boshendere Bébé. Riba Handa Yondo Robo. Ah, tu conduis-nous. Conduis ton peuple. Conduis ton héritage. Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Conduis ton peuple dans les victoires. 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 Au nom puissant de Jésus, conduis-les dans les victoires. Conduis-les dans les victoires. Dans de plus grandes victoires. Au nom de Jésus. Mandarabahanda yokorobo santa. Mindahanda yondorobo saka. Ikarabasanta. Indarabahanda yokobo shenderebe. Ribahanda yondorobo. Mita handa yokorobo, riba handa yondobos, karaba santa inda, rikaba sundu hoshende, rikaba santa yondorobo, inda raba handa inda ba,
Rokobo saka indara. Rakaba santa indara baholo. Mita handa yokorobo shenderebe. Riba handa inda basoko bosheke. Yondorobo santa inda. Minda handa yondorobo. Rokobo shendere. Riba handa indara. Rokobo santa inda. Riba handa inda. Rakaba santa. Yondorobo shendere. Nous allons ouvrir le Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. La Bible parle du temps messianique, c'est-à-dire quand le Seigneur vient, quand Jésus est là, quand l'Esprit est là. Je vais regarder ce Ésaïe 35 et commencer à faire des déclarations sur ta vie. Quel que soit le désert et le pays aride, tu déclares que le désert et le pays aride se réjouit en toi. Que la solitude s'égaie et fleurit comme un narcisse. Qu'elle se couvre de fleurs et tressaille de joie par la présence du Saint-Esprit, par son action dans ta vie, par la présence de Jésus dans ta vie. Voici ce que Dieu te dit ce matin. Quelle que soit la zone désertique, la zone aride, par la puissance du Saint-Esprit, cette zone aride se réjouit. Cette solitude s'égaie. Quelqu'un souffre dans la solitude, déclare que cette solitude va s'égayer et qu'il y aura des fleurs comme de narcisses, et qu'elle va se couvrir de fleurs et tressailler de joie. Des chants d'allégresse et des cris de triomphe arrivent par la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Quelles que soient les zones les plus arides, oh, la gloire du Liban me sera donnée, et la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de mon Dieu. Mes mains languissantes sont fortifiées par la puissance du Saint-Esprit. Mes genoux sont affermis par la puissance du Saint-Esprit. Oh, mon cœur troublé, prends courage et ne crains pas. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que mon Dieu vient. Mon Dieu vient avec sa rétribution. Et il viendra lui-même et il me sauvera. Et mes yeux s'ouvriront. Tout ce qui est aveugle, ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas, oh, cela s'ouvrira. Mes oreilles s'ouvriront. Tout ce qui est boiteux dans ma vie sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Là où je ne peux pas parler, je vais éclater de joie. Des cris de triomphe vont éclater et des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Oh, ce qui est comme un mirage, oh, ce qui a été attendu longtemps, qui se présente maintenant comme un mirage, se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Oh, dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour nous seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La joie et l'allégresse s'approcheront. La douleur et les gémissements prendront fin. Voici l'œuvre de l'Éternel. Voici l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai confiance en ton œuvre dans ma vie. J'ai confiance, Seigneur. J'ai confiance. Alléluia. Rikabasante. Rakabasante. Indarabahanda yondorobo shende. Rikabasante yondorobo santaye. Oh, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour fortifier. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Mandaraba sakayenderebe. Mindaraba handa yondorobo sheke. Rikaba santa inda. Manda yondorobo shenderebe. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon et tu es fidèle. Tu es bon et tu es fidèle. À toi soit l'honneur. Mandaraba handa yikaraba santa. Hey, mandaraba hondo bo sakayende. Mindaraba handa yondorobo shende. Minta handa yondorobo santa indaraba.
Reba handa yondo. Roko bo shendere bahanda. Ondo bo santa yendere. Chante dans le royaume. Chante dans le royaume. Chante dans le royaume. Tel un violent. Chante dans le royaume. Je m'empare du royaume. Je m'empare de ce qui est à moi. Je m'empare de mon héritage. Je m'empare de la vie divine. Je m'empare des choses qui sont à moi. Je m'en empare au nom de Jésus. Oh, Matahanda Hika Rabasante. 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 Yukobo Sante. Yende Rebahanda. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et Dieu me conduit dans son royaume. Il me fait entrer dans son royaume. Rien ne m'empêchera de rentrer et de demeurer dans son royaume. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Parce que tu es mon Dieu. Tu es mon roi, Seigneur. Tu es mon forteresse. Merci, Jésus. Merci, roi de gloire. Merci, roi de gloire. Les barrières sont détruites maintenant. Au nom de Jésus. Les limitations sont ôtées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les impossibilités sont enlevées. Au nom de Jésus. Avec courage, avec force. J'entre dans le royaume. J'entre dans le royaume. J'entre dans le royaume. Avec courage, avec force. J'entre dans le royaume. Car tout est possible à toi. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Absolument rien. Tu as tout fait. Tu es merveilleux. 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 Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, oh tu es merveilleux, oh tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, oh tu es merveilleux, oh tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu fais des choses étonnantes, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, 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 Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, 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 tu es merveilleux. Tu es merveilleux, esprit de force, tu es merveilleux, esprit de vie, tu es merveilleux, esprit d'intelligence, tu es merveilleux, esprit de sagesse, tu es merveilleux, 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 cet esprit, tu es merveilleux, cet esprit, tu es merveilleux, esprit de Dieu, tu es merveilleux, esprit de Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, 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 tu es merveilleux. Alléluia. Rends-lui grâce. Rends grâce au Seigneur. Rends-lui grâce pour son amour. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce.
Rends-lui grâce. Il t'a entendu. Il t'exauce. Merci, Seigneur. Au corobo chandaraba. Indaba sante. Au corobo chandaraba. Au corobo sante indaraba handa. Yondo bo saka indarababa. Yondo bo chenderaba handa. Indaba hondo bo saka indere bebe. Reba handa yondo bo sante indaraba.